Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de gameplay. L'heure est grave, on va vous annoncer quelque chose de très important. Alors, je vais répondre à des demandes, parce que ça fait longtemps que certains d'entre vous me disent « Maxou, ce serait bien qu'on ait un autocollant, Maxou le pilote, un t-shirt, un logo, etc. » Et il faut savoir que j'ai travaillé avec une boîte dans mon coin pour essayer de vous créer des t-shirts. Mais l'incompétence des gens dans ma région a fait que c'est tombé à l'eau. Bon. Et vous me voyez, depuis que j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire depuis maintenant près de 2 ans, avec ceci. C'est-à-dire des t-shirts repris avec chaque fois un pilote, une course qui a été marquante dans sa carrière et sa voiture. Alors ces t-shirts-là, vous m'avez vu avec différents, il y avait des BM, il y avait des Touring Car, il y avait de la F1, il y avait plein de choses. Ces t-shirts sont faits donc par Ivan de Siren, qui est un artiste italien. Qui a été surpris à une époque de voir que je portais toujours ces t-shirts, mais moi j'étais surpris de la qualité de ces dessins. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis lié de relations, et pas d'amitié, mais de connaissances avec ce garçon. Et il faut savoir que ce garçon a une boutique sur Redbubble, qui est un site de vente d'articles de création, un peu comme vous avez QWERTY, ce genre de site. Et finalement, on en est venu à l'idée de se dire, c'est vrai que vous êtes nombreux, quand je vous ai croisé à Spa, quand je vous ai un peu sur le chat, etc. Vous me dites, ah Maxou, ce serait bien d'avoir quelque chose pour te suivre, etc. J'ai dit, oui, moi aussi, j'aimerais bien vous proposer quelque chose dans le futur. On est à plus de 10 000 abonnés, 11 000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce serait cool de répondre à vos attentes, parce que voilà, vous êtes peut-être pas des milliards, mais vous êtes quelques-uns. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture de la boutique Maxou le pilote. Alors, calmez-vous. Le lien est dans la description, mais restez, ne partez pas tout de suite. J'ai 2-3 choses à vous dire. Il faut savoir donc que cet artiste, j'adore son boulot, tout simplement. Et je lui ai dit, voilà, écoute, ça te plairait pas de me créer un t-shirt et de le vendre sur ta boutique Maxou le pilote, tout simplement. Il me fait, oui, qu'est-ce que tu veux? Donc on a posé pendant une petite semaine à trouver le design pour des raisons de droit d'auteur, etc. Et on est sorti avec ceci. Voilà, donc vous avez le logo Maxou de pilote qui a été fait dans le style Michel Vaillant, c'est-à-dire avec le vroir et avec une BMW M1 Procar, parce que c'est une de mes voitures préférées. Donc il a travaillé sur ce design en reprenant tous les logos importants de la chaîne YouTube, par exemple GamesPlanet.com, The Racing Line, où je suis rédacteur, et un petit peu de la FFSA, où je suis également commentateur, donc ça va faire plaisir à certains. Et vous pouvez retrouver ce logo sur plein de choses. Alors d'abord, il y a le t-shirt, homme, femme, mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple des protections de téléphone, des mugs, des coussins, des foulards, des autocollants, des petits et des grands, si vous voulez simplement un autocollant. Alors attention, c'est pas des autocollants que vous mettez sur votre voiture, c'est des autocollants d'intérieur, mais ça va être la rentrée, si vous voulez mettre sur vos cartables, etc. Et sachez que je ne prends pas un centime sur son boulot. C'est-à-dire que je me suis mis d'accord avec lui. La boutique ne me ramènera aucun argent à moi, Maxou le pilote. Maxime ne recevra rien. La seule chose que moi je recevrai, c'est vous qui portez le t-shirt pour m'en faire un petit peu de publicité et que vous portiez fièrement mes couleurs. Voilà. Donc, le deal, c'était ça. C'est-à-dire que je voulais pas, moi, créer une boutique, déclarer, etc. Parce que tout ça était très compliqué de faire de la vente et tout le bordel. J'ai pas le temps. Et c'est pas l'argent qui me motive, vous le savez, ça fait depuis le début sur YouTube, je vous ai dit, c'est jamais l'argent qui me motive. Oui, j'aimerais bien en avoir un peu de temps en temps pour vous prouver quelque chose et me faire évoluer. Vous voyez que comparé au début, on a bien évolué. J'ai un micro qui me permet de parler correctement, j'ai un PC qui me permet de streamer sans bugger, j'ai toujours une caméra dégueulasse, hein, ça change pas. J'ai un peu mieux d'éclairage, j'ai encore le fond vert qui doit arriver et j'essaie d'investir dans du matériel aussi. Restez attentifs, d'ici quelques semaines, ça pourrait changer aussi au niveau du setup, ce qui explique que la vidéo setup 2016 n'est pas encore arrivée alors qu'on est à la rentrée de septembre. Bref, la boutique est là, je vous invite donc maintenant à acheter si vous le souhaitez, pas d'obligation, mais si vous le souhaitez, voilà, maintenant ceux qui veulent porter un t-shirt Maxou le pilote pourront le faire, et ceux qui veulent, alors, je vous demande une chose, c'est que si vous achetez quelque chose, envoyez-moi des photos de vous avec les t-shirts, genre si vous allez à Spa ou des choses comme ça, ça peut être plutôt cool. Donc voilà, donc j'espère que le design vous plaît. J'espère que ça vous fera plaisir, moi j'ai fait ça donc dans le simple but de vous proposer quelque chose. Alors les tarifs sont corrects, vous allez sur certains sites pour avoir d'autres t-shirts, etc.
C'est en euros, c'est fabriqué en Suisse, c'est de la bonne qualité, croyez-moi. Ça passe au lavage, repassage, bon pas devant, hein, repassage c'est à l'envers évidemment. Mais ça passe au lavage, au 30 degrés, c'est impeccable, ça tient franchement. Hein, c'est franchement, j'ai aucun souci, j'en ai acheté je crois une vingtaine chez lui. Le t-shirt coûte entre 20 et 22 euros selon la taille que vous prenez, la finition, la couleur, etc. Mais je trouve que ça vaut le prix parce que c'est de la qualité tout simplement. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon Grand Prix de Belgique, puisque c'est à cette date que sera sortie cette vidéo. J'espère que le t-shirt et les goodies vous plaît. N'hésitez pas donc à me donner des retours sur Twitter, sur Facebook et dans les commentaires en dessous. Et pour continuer à suivre mes aventures, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner. Merci sincèrement pour votre fidélité depuis tous ces mois et ces années. Et le chemin, je pense, va être encore long ensemble et on s'amusera beaucoup. Merci les amis et à la prochaine. Ciao.